comme tout garçon, bah, m'y regarde des photos, des filles en maillot de bain. M'y regarde, hein, m'y fait un seul côté de yeux, mais m'y regarde, voilà, m'y fait défiler, mais m'y regarde. Prendre un peu les nouvelles, avec mes proches qui habitent au-delà de l'océan, et après, regarder un peu tout ce qui se fait sur les réseaux sociaux, surtout les vidéos comiques, c'est vraiment ce que m'y regarde le plus, hein, tout ce qui est humour, et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses sur l'humour, donc voilà, c'est ça, en principe, le principal pour moi, c'est ça. Non, pas souvent sur les réseaux sociaux, parce que ben, moi, bientôt 40 ans l'année prochaine, mais j'avoue que c'est pas trop ma génération, mais il faut que m'y mette à moi personnellement, faire des vidéos pour essayer de toucher un maximum de personnes sur les réseaux sociaux, et puis ben, sinon, m'y regarde un peu tout, hein, voilà. Facebook. C'est Facebook parce que ben là, le plus de trucs humoristiques sur Facebook m'y trouve. Et puis ben, voilà, mais plus habitué, c'est le premier réseau social, donc nous reste fidèles. Que ça, moi, m'y montre, ben, m'y montre pas grand-chose parce que m'y aime pas trop, voilà, moi, mais pas trop réseau, m'y aime pas prendre photos, tout ça là. Donc m'y montre, bon, ben, mais par contre, ça fait à moi de partir du deuxième semestre obligatoire des vidéos. Pour montrer ce que m'y gagne faire, quoi, parce que voilà, on a plein de choses à montrer et que ben, les réseaux sociaux, c'est le meilleur moyen d'y arriver. Pas du tout, parce que ben, moi, point de contenu pour l'instant à mettre, et quand m'y voilà, m'y assez. Donc, m'aimerais mettre du contenu qui plaît à moi déjà, et du coup, ben, ça va venir. Mais m'y regarde ben, beaucoup des vidéos YouTube aussi, par contre. Que ce soit tout, hein, un peu tout et n'importe quoi. Pas que de l'humour, voilà, m'y regarde tout ce qui est chronique, ça peut être. Voilà, m'y intéresse à moi un peu. Donc ça peut être beaucoup de chansons, des tutos, beaucoup de tutos. Voilà, mais c'est vraiment qu'on a besoin de ces... Ah, que ce soit une cuisine, n'importe quoi. Hein. Voilà, on a le moyen là à disposition, donc on utilise beaucoup ça. Écoute, encore une fois, me répète à moi beaucoup d'humoristes, et des gens, bah, m'y suivent par exemple Marie-Alice, parce qu'elle y fait alimenter un peu son compte, à La Réunion, Marie-Alice Cinnamon. Après, on en a Jason Brokers, Farid, là, pour Gad Elmaleh, Jamel Debbouze. Après, quelques footballeurs, Kylian Mbappé, voilà, Neymar, voilà, un peu comme tout le monde, quoi. Après, voilà, comme tout garçon, bah, m'y regarde quand on a des filles en maillot de bain. M'y regarde, hein, m'y fait un seul côté de yeux, mais m'y regarde, voilà, m'y fait défiler, mais m'y regarde. Voilà, après, bah, écoute, si Instagram, m'y trouve que c'est un bon, m'y trouve que plus en plus que m'utilise, plus en plus m'y voit que c'est un, il commence à prendre plus d'ampleur que Facebook, apparemment. Moi, il est très old school. Après, on a des petits morceaux créoles que j'aime bien, par exemple, Zeko. J'adore le groupe Zeko, mais je trouve que vraiment c'est un bon petit Sega, ils remettent à mon goût du jour avec le Sega. Écoute, satisfait à moi, continue de suivre parce que franchement, on vit avec ça. Et puis, il fait plaisir quand de mon y trouve à vous dit que ben, vous faites rire Zot et que Zot aime ce que vous faites parce que vous êtes là que pour partager du bonheur. Hein, vous n'êtes pas là pour faire chier les gens. Au contraire, l'humour, c'est pas ça. Donc, ben, m'y remercie à Zot de soutenir moi, mon père, ma mère, ma petite fille, Alexandra. Voilà, ces gens qui me servent tous les jours comment pilier pour que m'y continue dans ce que m'y aime faire. Et puis, voilà, l'humour, c'est universel. Donc, tant que nous fait rigoler les gens, c'est l'essentiel.